Il y a 4 personnes pour le bleu, c'est ça? Vous voulez le vert? Ok, vous prenez les deux verts. Et sois généreux avec la peinture. Hein. Et toi, Ayou, parle plus, on va. Et où est-ce que ton groupe? Le lieu, c'est vraiment l'espace, c'est l'endroit où est-ce que j'ai vraiment développé ma créativité. Très très jeune, j'ai commencé à me balader dans la cour, à prendre des photos de mes amis, à prendre des photos du lycée, à prendre beaucoup de portraits noir et blanc. Et c'est là que j'ai développé mon plaisir et ma passion pour la photo. Et ensuite, ça s'est un petit peu transformé. Je me suis retrouvé à faire ma première murale ici au lycée Lyautey en 6e. Je me souviens encore de mon prof d'art plastique, Monsieur Bess, qui m'avait demandé de dessiner sur une feuille de papier. Et pendant le premier cours, j'avais dit non, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que je peux dessiner sur un mur? Et il a eu l'aimabilité, la gentillesse de me donner l'autorisation. Et du coup, j'ai fait un mur de 3 mètres sur 2 à l'âge de 12 ans. Et là, c'est drôle de voir que je suis de retour au Bercail. J'ai la chance de pouvoir partager un petit peu ma passion et je l'espère inspirer des jeunes lycéens. Des photos de gravures rupestres qui ont été faites par des artistes entre 10 000 et 2-3 000 ans. Et ensuite, je cherche à leur redonner la couleur qu'elles auraient pu avoir en fait à l'époque. Je m'amuse avec mon appareil photo, j'essaie de saisir des instants comme ça dans la rue. En général, c'est tout pris sur le vif. Il faut leur montrer le monde, là, tel qu'il est, leur parler de choses sérieuses, profondes, d'émotions, comme le fait l'art. Et bien sûr, ça les touche, ça les change. Et c'est pour ça qu'un projet comme celui-ci, avec à la fois une galerie et à la fois des artistes, a toute sa place dans la démarche qui est la nôtre. Le premier jour en classe, je ne me sentais pas du tout la bienvenue. Tout le monde me regardait bizarrement. Je parlais de l'art, il y en avait qui comprenaient, il y en avait qui ne comprenaient pas. Ça s'est débloqué en 10 minutes. Qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser cette œuvre? Quelle était votre source d'inspiration? Tout d'abord, le fait d'avoir réalisé cette œuvre était de permettre de fêter les 100 ans du lycée Lyautey, 100 ans sans œuvre. Et surtout parce que ça nous a permis un peu de voir le côté artistique et que la prose n'était pas juste un costume, mais que c'était aussi une ouverture à l'art et une ouverture au monde extérieur. Quel est le message que vous aimeriez faire passer à les jeunes de notre âge? Tout simplement avoir la foi en soi. Pour pouvoir faire n'importe quoi, par exemple, de base, on est simplement une classe de gestion pro. On a réussi à créer une sorte d'exposition qui prouve que quasiment tout est accessible de nos jours. Il faut juste y mettre du sang.